La célèbre série médicale italienne, Doc, est sur le point de faire son grand retour sur TF1. La chaîne a annoncé qu'elle serait diffusée à partir du mercredi 20 mars à 21h10. Vos mercredis soirs sont sur le point de se remplir à nouveau. TF1 vient d'annoncer que la saison 3 de Doc serait diffusée à partir du mercredi 20 mars à 21h10 et disponible en streaming gratuitement sur TF1+. Cette série italienne, inspirée de faits réels, raconte l'histoire du professeur Andrea Fanti, joué par Luca Argentero, brillant médecin, qui voit sa vie basculer lorsque le père d'un patient décédé dans son service lui tire une balle dans la tête. Le docteur survit à la fusillade, mais celle-ci n'est pas sans conséquence. Il perd les souvenirs des 12 dernières années de sa vie. Que nous réserve la saison 3 ? Pour cette nouvelle saison, le spectateur plonge à nouveau dans le passé du docteur Andrea Fanti. Ce dernier commence aussi à prendre ses marques dans son nouveau rôle de chef du service interne, même si la nouvelle directrice administrative lui mène la vie dure. Il continue sa quête, à la recherche de ses souvenirs, grâce à un nouveau traitement. La série étrangère la plus regardée de TF1 en 2021. En 2021, en audience consolidée, la première saison de la série avait été suivie par 4,64 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 20,0% du public âgé de 4 ans et plus. Il s'agissait alors de la deuxième série étrangère la plus regardée à la télévision en France en 2021, derrière Meurtre au paradis et la plus suivie sur TF1, loin devant les séries médicales The Resident et Good Doctor, respectivement 8e et 9e du classement général. Les audiences avaient lourdement chuté lors de la diffusion de la saison 2 à l'été 2022. Le final de la saison 2 avait ainsi attiré, en moyenne et en audience veille, 2,07 millions de fidèles, soit 12,7% du public sur TF1 le mercredi 20 juillet 2022. À titre de comparaison, 3,88 millions de téléspectateurs en moyenne avaient réservé leur soirée du 24 février 2021 pour suivre le final de la saison 1, 18,4% du public et 25,4% des fraudas.